Et bonjour tout le monde, c'est Kimi War 9 pour une nouvelle vidéo. Et nous sommes sur le jeu buggé du moment là. Just Cause 3, voilà. Alors, Just Cause 3. Alors oui, comme je le dis, c'est quand même un jeu qui pour l'instant est assez buggé d'après ce que j'ai entendu. Et je suis plutôt content de ne pas l'avoir acheté. Si vous vous tenez au courant, j'ai mis à jour en fait ma config et donc comme j'ai un nouveau processeur et tout, le jeu est offert avec. Donc c'est plutôt cool, hein les gens. Donc voilà, je suis content de ne pas avoir acheté ce jeu. Le mec commence bien sa vidéo. Alors, est-ce qu'il y a une carte sur ton jeu? Ah, effectivement. Je viens de finir en fait le tuto, donc mais elle est vachement grande la carte. Ça dit donc. Oh, ils ont même mis la Corse. Non, je rigole. Où dois-je aller en fait? Ici? C'est quoi ça? Obsolescence programmée. Mais c'est pas ce que j'ai fait au début du jeu? Quand? Y a-t-il un journal de mission ou quelque chose? Non, c'est... Ah, arrête. Alors... J'ai Just Cause et Just Cause 2. Le truc, c'est que je me suis jamais vraiment intéressé. C'est pas une licence. Il y en a à chaque fois qui me parlent de Just Cause. Ils ont des étoiles dans les yeux et ils me disent oh, Just Cause, c'est un jeu magnifique et tout. Mais moi, personnellement, les mecs, Just Cause, voilà quoi. C'est pas le jeu. Donc moi, je l'ai gratuitement, donc j'y joue. Mais sinon. Sinon, comment te dire que je m'en tape un peu? Donc, y a pas de carte. J'ai pas réussi à mettre un point. Ah, nickel. Donc après, comment ça se passe? Mais contrôle pour retour, les gars. C'est dégueulasse. Ah, allez, sur speed. Ok. Oh, magnifique. Oh, fuck! Qu'est-ce que tu fais? Ok. Non! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais t'es malade! Il y a d'autres manières! Si tu veux en finir, il y a d'autres manières, Philippe! Attends. Je sais, dans le tuto, ils nous ont dit. Houhou! Yeah! Yeah. What? Y a un souci. Pendant le tuto, on fait péter ce pont. Ça, c'est bien des Mexicains, ça. Hein. Ça va vite, hein. Ah, quand il faut construire des trucs, ça va vite, hein. Après, est-ce que ça tient? Ça, c'est la question. T'es complètement raciste, ce que tu viens de dire, Kimi. Oui, je sais. Mais c'est comme ça. C'est plutôt lent. Ah! Ok. Hey, toi là-bas! Excellent. Ouh. On se débrouille bien là. C'est ça. Ouh, attention le muret en douceur. Est-ce qu'on peut courir? Eux, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Gâchette. Ah oui, j'ai le négociateur. Négocie-moi ça. Fuck you. Fuck you le foin. Et j'ai un... Bon, ça, d'après ce que j'ai compris, c'est Just Cause, quoi, les deux flingues. Un peu comme Lara Croft et ses deux flingues. Et ça, c'est quelque chose qui me parle le plus. Donc, mais je l'ai pas déjà fait, ça? Obsolescence programmée. Attends, mais tu te fous de ma gueule, machin, à moitié la tête brûlée, là. C'est quoi, ça? Mais non, mais... Tu te fous de ma gueule, j'ai déjà fait ça. Attends. Top. Quitte-moi ça, c'est pas cool. On va faire ça, je bouge un peu le mic. Voilà. Donc. Ah,
C'est une opération dangereuse, la rébellion à Medici. Ah non. Suis-moi. Je te montre un truc sans aucun lien avec des clones. Si, si, si. Allez, viens. J'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, annule. C'est un nouveau modèle. On va commencer le test en situation. T'as bien ton parachute? Oui. Bien, je suis ravi qu'on ait pu réduire l'auto-déchec. C'est de la connerie. Arrête. Arrête. Précis. Arrête très tout. Attentif, pas comme... Philippe, comment tu fais passer? Ok. Arrête. Rico, lance ton grappin. Non. Dégage. On l'a déjà fait. Je l'ai déjà fait et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je fasse quoi? Ah non! Ah, je viens de comprendre. En fait, la mission elle est plus longue que prévu. Vous allez voir le tuto, hein, moi je le fais deux fois. Hein. Bon, après, les gens, c'est juste une vidéo comme ça. Hein, c'est pas comment dire. Genre, on commence à let's play, ni rien. Non, il y aura pas de let's play sur ma chaîne de Just Cause, hein, les gens. Fuck you! Fuck you deux! Maintenant, viens me voir à Guardia Alpha. Ah! Non! Vas-y, Rico! Aïe! Eh merde, on s'est chié! On s'est complètement chié. Fuck you! Parfait! Ah bah oui, bah forcément! Si je fais comme ça, moi aussi! Prendre la vitesse, je sais pas, fais quelque chose. Utilise ton grappin avec ton parachute! Rétracte pour prendre de l'élan! C'est comme t'envoler! Ne m'engueule pas! Wow! Salut! Bon! Alors. Attends! Quoi? Bien. Ah, explosion évitée. Une explosion? Ah, aucun danger. Est-ce que ça va? Ah, oui, bouge. Très bien. Je serai là pour t'aider en cas de problème de conception. Hein? Tu n'as pas peur de voler, dis-moi. Mais non, un agent acrophobe. Ridicule. Oh, c'est des rebelles. Bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, la technologie est en marche. J'ai mis à jour ton grappin. Ah, le risque de démembrement a été réduit. Tu peux relier deux objets et rétracter. En fait, ton ami Mario aimerait qu'on le baptise Achan 03. Mais je ne pense pas que le service juridique approuverait. Il y a des mecs qui tirent. Guardia Alpha semble être un bon point de départ. On pourrait détruire cette porte. Ça a l'air d'être des méchants. Oui, ça te permettrait d'accéder à l'avant-poste. J'ai remarqué que les rebelles avaient du mal à escalader les clôtures. Leur régime alimentaire, peut-être. Je sais que vous avez beaucoup souffert. Mais là, ça change absolument tout. Avec cet appareil, je peux détruire entièrement l'avant-poste. Sans aucune balle. Ce Rico-là parle beaucoup. Il y avait un mec, là. Ouais, c'était lui, là. Fuck you! Et si je m'en rappelle bien, si je fais... Oh, fuck. Tiens! Ouh, mais j'ai pas d'armes. Je peux pas me servir de mes armes en fait. Ah c'est con. Oh, oh merde. Tiens. Fuck you. Fuck you. Je peux pas le tuer sans mes armes. Écoute. Voilà. Alors il est mort hein. Ouais il est mort. Ça, c'est énorme, ce machin. Alors, prends ça, je l'attache là, piou. Ça a marché, je fonce. Victory. Donc, je prends ça, je l'attache là. Cours. Comme dans les films. Hollywood. Toi-même, tu sais. Vas-y, là, au ralenti. Non? Ah! Ah, oui! Oula! Eh ben voilà, ça c'est intéressant! Oula! Ok! Très bien! Toi, là-bas.
Oui, c'est bien. Maintenant la bouboule. Alors la bouboule. Fuck you. Suis la boule. Disponible. Et aussi, j'ai à nouveau besoin d'un peu d'aide. Voici mes nouvelles cordes. Elles sont vachement bien faites, ces explosions. Ah, faut aller là. Alors, le grappin. Salut. Oula, 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 Le pare-feu est un vrai gruyère. Est-ce que ce réseau aurait été créé par des babouins de n'importe quoi? Enfin bref. T'aurais pu juste crier. Une attaque est imminente, les forces du général approchent. C'est une frappe de représailles pour hier soir. Les rebelles sont en danger, ils vont être submergés par les unités ennemies au sol, c'est tragique, mais excitant. Enfin non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, oublie ça. C'est juste l'occasion rêvée de tester ma dernière invention. C'est quoi? On peut éviter un désastre. Lève-moi les bras. Comme ça. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Voilà. T'as une wingsuit. Toi qui aimes planer. Tu devrais t'approcher du précipice. Vole jusqu'au pont. Pourvu que ça marche. Pour tous les deux, Rico. Il faut qu'on arrange tout ça. Alors, je ne suis pas professionnel en wingsuit et tout le machin, là, mais... Vous allez dire que ça, là, ça marche, là, son machin Intermarché, pas dégueu, cette wingsuit. Ça, genre, ça marche. Okay, je te fous de moi. Allez vite, au pont. Youhou. Non, 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 non. Voilà. Hé hé. Je te l'avais peut-être pas dit. Je t'ai donné un prototype. Alors, verrouille mage. C'est un explosif à poser, à base de bavarium. Dans ce cas, je vais commencer par le pont. Sans déc. Il a l'idée, ce gars. De la hauteur. Les hommes de Diravelo avancent vite. Ne traîne pas. Ouais, 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 ouais. Écoute, quand ça voudra avancer... Yavon ! Y'a de l'idée. C'est bon, ça. Voilà. Yop là ! Je suis prêt pour le convoi. Ouais. 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 Les hommes de Diravello vont rien comprendre. Bravo. Bon, là il est pété. C'est une répartie comique dont tu as le secret, ou plutôt... Attends, je détecte des hélicos en approche. T'as deux batteries de missiles solaires à proximité, je t'indique leur emplacement. Tu devrais les reprogrammer. I see you. Maintenant, accès au panneau de contrôle du missile. On contrôle la batterie. Va jusqu'à l'autre site. En vitesse. Je me dépêche. Et salut toi. Aïe. Magnifique. Voilà. Ça devrait aller. Alors attends, le mec il avait un machin. Je suis fait de nouveaux amis. Une grenade. Amis. Hein. Bon, en gros ils explosent quoi.
Oh, magnifique. Bon travail, Dima. Et merci de m'avoir servi de cobaye. Ok, à plus. À plus. Rico, allô, c'est moi, Mario, Mario Frigo. Tu te rappelles où habite ma grand-mère, hein? Elle nous prépare à dîner. Faut que tu viennes, et vite. Terminé. Où est-ce que t'as trouvé une radio, Mario? T'as un pêche, le paysage est quand même super bien foutu, ça par contre. Hey, hein. Rico, faut que tu dises terminé à la fin. Terminé. On? Oui. Terminé. T'en fais pas pour cette histoire de radio. Mémé est déjà au fourneau. Sois pas en retard. Terminé. Yop là. Rico, Rico. Oui, c'est moi, Mémé. Tu es tout maigre. Tu pourrais dire à Mario de me débarrasser de ce tas de ferraille sur ma pelouse? Bien sûr, je vais le faire, Mémé. Mémé, elle aime pas la voiture. Bah, c'est pas nouveau. Tu l'as jamais fini. C'est parce que je t'attendais. Je te le reproche pas, tu sais. T'es parti. Mario, j'avais pas le choix. Tu sais, j'y avais jamais trop réfléchi, Rico. Mais il y a une différence entre voir et regarder. Si tu regardes Medici, c'est magnifique, un vrai joyau du soleil. Mais en fait, quand tu la vois, c'est complètement pourri. Mario, dis donc, t'es devenu philosophe? Non, c'est pas ça du tout. Je travaille avec les rebelles. Mais je suis juste un petit gars. C'est pas l'armée, t'as vu les attaques pendant la semaine du général? Les rebelles fuyaient dans tous les sens. Ils se planquaient, on n'a pas de quoi être fiers. Mario, Rico, on passe à table. Mémé, laisse-nous juste une minute. On arrive tout de suite, bon sang. Mario, doucement. Elle est dure de la feuille. Bon, moi j'ai un plan. Le pouvoir de Diravello se trouve dans les villes. Et sans ses bases, il vaudrait plus rien. On a besoin de renfort, de se préparer. Je vais devoir libérer Manea. Plutôt ambitieux, Rico. Je crois pas vraiment. On doit montrer au peuple qu'on est capable de récupérer leur ville pour eux. J'ai aussi l'intention de détruire Vice Electra. Mais c'est dingue! Il est grand temps de couper le courant. Diravello l'a bâti en quoi? 3-4 mois? Eh ben moi, je vais réduire sa belle centrale en cendres en moins d'une journée. Quoi que t'essaies de faire, on le soutiendra. Et quoi que tu détruises, on le reconstruira. Bien. Très bien. Eh oh ! Mais c'est pas en discutant qu'on va se remplir l'estomac. Allez. Alors là, par contre, c'est total découvert, parce que moi, j'avais quitté la mission en plein milieu, hein, parce que fuck that, quoi. Maintenant, je me rends compte que j'étais à la fin. Ah ouais. Alors, obsolescence programmée, d'accord. Ah, de nuit. Et Warmb. Salut, Rico. Salut. Contente de te revoir à Medici. Moi, c'est Alessia, la voix de la radio de la Révolution. Mario m'a dit que tu voulais libérer la ville de Manea et détruire la centrale de Vice Electra. Je dois avouer que j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Je te recontacte dès que tu approches.